partenariat avec Luxel et aussi le comité départemental de handball, donc des Deux-Sèvres. Donc on a le handball prématuré et Luxel ont organisé en fait conjointement cet événement-là. Donc on est ravis d'accueillir tous ces petits-enfants qui vont jouer en fait toute l'après-midi et toute la journée même en fait sur des petits terrains qui vont voilà, pouvoir développer un petit peu leur côté handball. Et puis on a aussi des petits ateliers à côté pour permettre en fait tout simplement de le divertir. Combien d'enfants sont présents aujourd'hui? Alors on a exactement 1188 élèves de tout le département qui sont en fait répartis dans les classes qui sont adhérentes à Luxel. En tout cas ça remue, on voit qu'ils s'éclatent. C'est ça, effectivement, ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais on est quand même ravis parce qu'après des mois de travail c'est vraiment la compétition, donc on est vraiment ravis de tous vous accueillir. Super, en tout cas merci Lucie pour tout le travail d'organisation que vous savez faire de façon impeccable. Merci. Et cet après-midi, je crois que c'est donc les entreprises aussi ou plus... C'est ça, ça sera dans la soirée à partir de 19h. Il y aura un tournoi qui est ouvert à tous, donc entreprises, salariés, non-joueurs aussi. Vraiment, venez participer. Super. Et quant au club, alors, comment est-ce que vous vous situez au niveau sportif? Alors, dans le club, aujourd'hui, on a 10 équipes qui sont en compétition et 3 non en compétition. Dans les compétitions, donc il y a l'équipe senior masculine et féminine qui sont pré-région aujourd'hui. Donc voilà, qui se maintiennent. Voilà, on préfère faire du travail aussi beaucoup sur les jeunes, parce que c'est aussi l'avenir du club. Donc on essaie aussi beaucoup de former les jeunes, notamment sur également l'arbitrage, qui peut être aussi intéressant, et tout le développement général du club. Super, merci beaucoup Lucie. Merci.